Hello à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager, je sais pas trop dans quelle situation tu te trouves. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui me suivent. Je sais pas si tu passes ton bac cette année, si t'as fait des vœux pour des études supérieures, si tu reprends des études, ou même en fait si t'es dans un travail et que tu sens que c'est une nouvelle saison pour toi. J'aimerais que cette vidéo elle puisse te bénir, qu'elle puisse vraiment aussi répondre à tes questions et partager mon témoignage personnel justement sur tout ça. J'aimerais juste commencer cette vidéo vraiment en disant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout concourt selon son dessein et Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui a des plans de paix, de bonheur pour nos vies et non des plans de malheur. Et quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle et il faut véritablement par la foi que nous puissions saisir le fait que Dieu est au contrôle. Pour vous témoigner un peu de mon parcours scolaire, ça pourra peut-être vous encourager. J'ai commencé par un bac professionnel cuisine parce que j'aimais bien créer, parce que pour moi j'avais tout simplement envie de pouvoir faire quelque chose de mes mains. J'étais pas très scolaire, je souffrais de beaucoup de dyslexie, j'aimais pas lire, enfin j'avais plein de problèmes liés au modèle scolaire comme il l'est en France. Je suis partie dans un bac pro cuisine, j'aimais vraiment la cuisine. Je me suis dit pourquoi m'arrêter en chemin, autant continuer. Et donc après j'ai fait un BTS gestion hôtelière, j'ai fini ce BTS là et j'avais environ 19 ans, 20 ans. Et en fait, le Seigneur a mis dans mon cœur de prendre une année pour le servir, une année pour être formée, une année pour être vraiment avec lui. Et donc c'est là où j'ai fait jeunesse en mission pendant 6 mois. Quand je suis revenue, j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire ou non, parce que je sentais que j'avais plus envie de travailler dans la cuisine, que ça collait plus avec le fait que je voulais aussi servir Dieu par rapport aux horaires, plus servir Dieu dans le ministère, dans m'impliquer plus dans mon église locale, etc. Et ça correspondait plus tout simplement à ma vie. Donc j'ai vraiment pris le temps en fait de prendre du temps dans la prière, de prendre du temps pour réfléchir à un projet professionnel et tout simplement là où Dieu m'attendait. Et ça a été un peu comme une évidence de m'orienter dans le marketing digital et les médias sociaux, puisque j'en faisais déjà une passion entre guillemets via différents comptes Savoir Chrétien ou Sœur Co sur Instagram, et que je commençais mes vidéos YouTube en 2019. Et donc ça a été un peu comme quelque chose de normal de me diriger dans ça, sachant que je sais et que c'est toujours d'actualité que c'est un métier qui est de plus en plus demandé dans chaque entreprise finalement. Donc 2019, je suis revenue de jeunesse en mission. 2020, j'ai postulé dans une école, j'ai été pris instantanément et pour moi c'était vraiment changer de vie, repartir à nouveau, parce que vu que j'avais des diplômes dans une branche dans laquelle je voulais plus travailler, il fallait vraiment me renouveler et repartir de zéro. Dieu a fait grâce, je suis passée directement en bachelor 3 et cette année donc je finis mon master, donc ça fait en tout 5 ans d'études, master en tant qu'expert marketing digital et consultant de marketing digital et médias sociaux. Tout ça pour vous dire quoi? Des fois on a des plans dans notre tête, mais c'est pas comme le Seigneur voit les choses. Et quand il y a Dieu dans ce qu'on fait, les choses elles sont faites de manière très naturelle, de manière très simple. Vraiment on voit la main de Dieu posée sur nos études, on voit la main de Dieu dans les prises de décision. Les choses, elles sont pas coincées, j'ai envie de dire. Mais parfois, il faut prendre du temps. Moi, entre la fin de mes études dans l'hôtellerie et de recommencer un bachelor, j'ai eu 2 ans qui se sont écoulés. Alors, ça n'a pas été 2 ans où je suis restée inactive. J'ai monté ma propre société. J'ai commencé véritablement à vouloir faire ce que le Seigneur mettait dans mon cœur. Mais il m'a fallu 2 ans pour construire un projet professionnel. Et je pense qu'un même un projet professionnel, il se construit toute la vie dans notre époque. Plusieurs fois, j'ai été dans cette tourmente quand j'étais plus jeune de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Où je vais aller? Comment ça va se passer? Et si je suis pas retenue? Et si je me trompais? En fait, il y a beaucoup de questions et de raisonnements qui viennent dans notre tête, mais ça vient un peu en lien avec la dernière vidéo que j'ai faite sur le fait de ne pas nous laisser voler notre paix finalement. Il y a plusieurs versets que j'aime beaucoup. Il y a le psaume 37 au verset 5 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. » Le proverbe 16 au verset 9 qui dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » 1 roi 4 au verset 29 qui dit « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui était au bord de la mer. » Et ça, j'aimerais m'arrêter sur ce verset-là.
dans toutes mes années d'études, et là je vais finir mon master et j'y crois au nom de Jésus encore, à chaque fois ce réflexe de dire « Seigneur, moi je veux pas négliger l'église, je veux pas négliger ton œuvre, je veux pas négliger la prière, je veux pas négliger notre intimité et notre relation. Alors Seigneur, fais en sorte que quand je vais réviser 2 heures, que ces 2 heures-là soient comme si j'avais passé ma journée à réviser, Seigneur. Parce que jamais, Seigneur, on peut perdre du temps dans ta présence. Jamais le temps, il est inutile lorsqu'on le passe dans ta présence. Alors Seigneur, renouvelle mon intelligence. Il y a de nombreux versets dans la Bible qui montrent que tu es celui qui donne l'intelligence, qui donne la sagesse, qui donne la connaissance. Alors Seigneur, moi je veux faire ma part. Toi Seigneur, fais ma part sur mes études. Et vous savez, vraiment depuis que je suis chrétienne et avec tout le parcours que j'ai eu, je n'ai jamais pu douter de la fidélité de Dieu. J'ai toujours réussi dans ce que j'entreprenais par rapport aux études parce que en aucun cas je voulais négliger ma relation avec le Seigneur. Et je crois que c'est véritablement une clé. Là où Satan nous surprend, là où du coup on devient épuisé, là où on n'arrive plus à gérer quoi que ce soit, c'est quand on met pas les priorités au bon endroit. Est-ce que sortir avec ses amis c'est une priorité? Non. Par contre, est-ce que passer du temps dans la présence de Dieu, aller honorer Dieu par exemple le dimanche, prier, louer son Dieu, est-ce que ça c'est une priorité avant le travail, avant les études, avant quoi que ce soit? Oui, ça c'est une priorité. Et il n'y a jamais aucun temps, je le répète, qui est perdu dans la présence de Dieu. Dieu peut faire des miracles, Dieu peut renouveler toute chose, Dieu peut renouveler ton intelligence, tes compétences, ta capacité à apprendre et à comprendre uniquement parce que tu lui as consacré du temps dans ta journée. Il y a 2 points véritables à retenir de cette vidéo. 1. Le Seigneur a tout entre ses mains. Fais-lui confiance, il a des plans de bonheur, de paix pour toi et non de malheur. Alors remets ton sort entre les mains de l'Éternel et même si tu ne le comprends pas sur le moment présent, même si peut-être que tu prends un chemin différent que tes camarades de classe, sache que Dieu a un plan merveilleux pour toi et que tu n'es pas comme les autres, tu es un enfant de Dieu. Et la deuxième chose, c'est priorise toujours ton temps avec Dieu. Que rien ne puisse te voler ton temps dans la présence de Dieu. Que ça soit les études, que ça soit quoi que ce soit d'autre. Demande au Seigneur de te renouveler. Demande au Seigneur que si tu passes un petit peu de temps vraiment à réviser, que ça soit multiplié par 2, par 3. Mais surtout, ne te laisse pas voler ta relation avec le Seigneur à cause de tes études, à cause de ton travail ou à cause de quoi que ce soit. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te renouvelle. Bon courage pour vos études et là où vous en êtes. Et aie confiance en l'Éternel. Amen.